bien plus sympa. Voilà, je voulais aussi vous dire que dans quelques temps, je mettrai en ligne des cours de yoga. Pourquoi le yoga? Parce que c'est la seule chose qui permet vraiment d'aller à la méditation, qui permet de vider la tête et de supporter les épreuves de la vie. C'est vrai, on dit yoga, oui, des Indes et tout. Non, le yoga, c'est pour tout le monde. Le yoga, c'est la possibilité de pouvoir assouplir son corps, assouplir son esprit et faire le vide mental. Et c'est la clé de la possibilité pour chacun de supporter ce monde terrible, 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 et de pouvoir avoir une paix intérieure qui nous donne la possibilité d'avancer dans un chemin de joie et de plaisir dans un monde où les épreuves, l'argent, la superficialité et les gouvernements qui nous montrent par exemple sont tous en examen et tout ce qu'il peut y avoir d'horrible dans ce monde et surtout les animaux, la nature qu'on est en train de détruire et que c'est pas pour rien qu'à l'endroit où il y a cette pandémie où malheureusement les innocents sont en train d'en payer le prix. Massacre, on fait des horreurs. Regardez sur mon Facebook, il y a le détail d'une amie à moi qui a expliqué en détail ce qu'on fait à Yuan. Donc, on ne peut pas. L'arche de Noé, la souris qui est le bon Dieu, les animaux, la nature, elle est toujours là. Et on sera toujours, nous, les destructeurs de l'homme, entre guillemets. L'humain, non, pas du tout. L'empathie, c'est le culon. L'amour, c'est le culon. Et on les torture, on les massacre. C'est toujours en Chine, au Japon. Comme par hasard, ils ont des leçons dans des tsunamis, des millions de morts. Et ça ne change pas. Avec Greenpeace, qui m'a à une époque félicité pour mes partages, on avait en possibilité de faire plein de choses parce que les poissons, on les massacre, hein, c'est tellement énorme, les thons, qui fait qu'il n'y a plus rien. Les oiseaux, ils sont en train d'attaquer les chats, les chiens, même à Cannes. Pourquoi? Regarde les goélands, ils sont méchants, non, ils sont pas méchants, ils ont rien à bouffer. Donc, l'homme détruit tout. Par rapport à ça, on a besoin de se ressourcer soi avec soi. Et il y a aussi plein de choses qui poussent comme des champignons de gens qui se servent de la spiritualité, qui se servent du yoga, qui se servent de par en valeur pour pouvoir gagner des flics. Donc voilà, méfiez-vous parce que quand